Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour cette nouvelle vidéo, je vais tester un hamac. Un hamac pour l'hiver. Et quand j'entends hiver, j'entends pas des moins 30 ou de moins 20 ou de moins 10 l'hiver. Genre, comme cette nuit, il fera entre 2 et 5 degrés. Dans le même temps, je vais vous présenter un hamac qui est fait pour supporter les températures un petit peu froides. Et en même temps, nous, ça va nous permettre avec Pascal Alazar, que vous connaissez maintenant, de nous permettre d'identifier un petit peu ce produit, parce qu'on est en préparation pour un périple qui va se passer dans le Yukon, au Canada, dans les montagnes du Yukon. Je vais remercier au passage Cédric Vidrequin qui m'avait appelé justement parce qu'il voulait monter un projet de partir sur une île déserte, et c'est comme ça qu'on s'est connus, qui m'a mis en rapport avec Amazonas, donc une société qui fait justement des produits de super qualité. Sven qui nous a hyper conseillé parce qu'on lui a expliqué ce qu'on voulait faire, etc. Enfin, les projets qu'on avait dans l'avenir, et notamment, donc je vous l'ai déjà dit, dans le Yukon au Canada. Et là, il a su nous trouver des produits vraiment adéquats à ce qu'on voulait faire, à ce qu'on veut faire. Alors, il faut savoir une chose, c'est que dans cette vidéo, il n'y a aucun placement de produit. Voilà, Sven, il nous a conseillé les produits que je vais vous présenter là, bah, on les a achetés. Voilà. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que voilà, je suis pas là, c'est pas une vidéo pour faire de la pub. Moi, je vais le mettre en valeur. Pourquoi ? Parce qu'on va s'en servir et qu'on nous a hyper bien accompagnés. Mais cela dit, voilà, il n'y a aucun placement de produit. Cédric, Sven, gros bisous les amis. J'ai passé des nuits en forêt en hiver et notamment au mois de février, comme là, avec des voiles, enfin des hamacs traditionnels qui ne sont pas isolés. Je peux vous dire qu'il y en a une de nuit, je m'en souviens encore. Voilà, donc j'ai fait une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça. Et oui, ça a été compliqué. Je vous garantis que j'ai quasiment pas dormi de la nuit, tellement le froid m'empêchait de dormir, quoi, tout simplement. Allez, on est parti pour une nuit en forêt au mois de février. Ah oui, juste un truc au passage, parce qu'il y a souvent des personnes, pas beaucoup, hein, il y a 1% je pense, qui disent « Oh, mais c'est ouvert, c'est l'hiver et c'est ouvert ». Ben oui, hein, je vais pas vous faire un cours de botanique. Hein. Il y a des arbres qui restent verts toute l'année. Alors, les attaches. Alors, celles-là, elles sont super pratiques. Pourquoi ? Parce que voilà, vous allez voir, il suffit juste de faire le tour du tronc d'arbre, de venir se coulisser. Hop, on rentre autour à l'intérieur. Alors, ça va être mes pieds, là, de ce côté-là, parce que j'aime bien avoir la tête au nord. Voilà, les pieds, je les mets toujours. Allez, là, je vais les mettre à peu près à la hauteur de ma tête. Voilà, et ensuite. On verra ensuite, il y a un système de coulissant, mais on va déjà les mettre les attaches de chaque côté. Là c'est déjà fait, on va aller de l'autre côté. On va mettre un petit peu plus bas de l'autre côté, pourquoi ? Ben, vous allez comprendre ensuite, je vous expliquerai. Et donc là-bas je les mets au niveau de ma tête, là je vais mettre au niveau de mes yeux, on va dire. Voilà, histoire d'avoir les pieds toujours un peu plus haut. Que la tête, voilà, c'est vite fait et croyez-moi, ça bouge pas. Je l'avais testé déjà ça, et ça, c'est des systèmes extraordinaires. Vous avez vu les longueurs, et pourtant, là, on a quoi? Là, on a à peu près 4 mètres entre chaque arbre, mais ça, c'est pas un problème puisqu'on va pouvoir 1, 2, 3 et 4. Nickel, voilà un petit peu la bête. Ça, c'est des hamacs, c'est un hamac en tout cas, nouvelle génération où il y a tout en un. On va surtout le peser. Donc il fait exactement 1,02 kg. C'est resté en mémoire, 1,02 kg. Alors là, je vous le montre déplié en vrac, et vous voyez même la housse est complètement accrochée à tout le reste, ce qui veut dire qu'en vérité, ben, on n'a pas de temps à perdre. Si on décroche la housse, souvent ben, on va la mettre de côté, on connaît ça, hein, on la met de côté, on la retrouve plus, etc., etc. Là tout est accroché, tout est unifié, donc voilà, la moustiquaire est avec le hamac lui, on a presque l'impression que c'est un duvet vraiment au niveau de la texture, et ben, j'ai hâte de le mettre en place.
Alors vous pouvez voir, en fait, regardez bien, j'ai toujours les pieds plus haut que la tête. Pourquoi? Ben, quand je veux me coucher, et ça c'est l'expérience qui parle, c'est qu'en fait quand vous êtes au même niveau, vous avez tendance à glisser. Donc vous allez vous retrouver toujours en bas. Lorsque vous mettez vos pieds comme ça, toujours un peu plus haut, en fait toute la nuit vous êtes calé, complètement calé. Donc ça c'est un conseil que je donne par expérience, parce que croyez-moi, c'est beaucoup plus agréable. Les pieds toujours un peu plus haut, mais il ne faut pas non plus exagérer. Là, c'est le bon dosage. Je vais placer ces éléments au niveau de la moustiquaire, histoire de stabiliser le haut pour avoir un peu plus de largeur. Quand vous êtes couché, c'est un petit peu plus agréable en fait. Vous avez plus d'espace, ça vous tombe pas, la moustiquaire ne vous tombe pas dessus. La nuit dans une forêt tout seul, j'espère qu'il y aura des cervidés, des sangliers qui vont faire du bruit, que j'aille un petit peu les voir dans la nuit. En tout cas voilà quoi. Ah Mac, qu'on va tester là pour la fraîcheur. Pour l'instant moi, il fait pas trop froid, il fait 13 degrés, mais pour l'instant ça va, on verra bien dans la nuit quand ça va tomber. Et puis que dire de plus? Le bon air simple quoi. Oh. Oh, c'est beau. Ben là on a vu de l'intérieur. Donc en fait, mon couteau. Impossible de dormir dans la nature. Mon couteau il doit toujours être avec moi. Et comme vous direz mon vieil ami Pascal, Pascal Lazare, il vous dirait: homme sans couteau, homme sans couteau. En fait, j'ai mis les... On va le voir là. Voilà, j'ai mis exactement la même doudoune que lorsque j'avais... J'étais allé dormir dans une forêt au pied du Mont Ventoux. Et là, j'avais mis exactement les mêmes vêtements, sauf que j'avais pas la même voile. Voilà, le même hamac. Le hamac était c'était un peu comme une voile, comme un parachute quoi. Et je me suis gelé toute la nuit. D'ailleurs,
il y a des images. Donc je me suis habillé pareil, comme ça je pourrais faire un comparatif. Le thermomètre, lui, donnera la température minimale qu'il y aura dans la nuit. Donc on ira voir ça un petit peu plus tard. Mais voilà. Mais sinon, pour l'instant, je suis bien. Et puis j'écoute le vent, là. En fait, je suis à l'abri. Et c'est la cime des arbres. Et de temps en temps, ça, ils tapent les uns contre les autres. On a l'impression qu'il y a quelqu'un qui arrive vers vous, mais... Moi, je me sens beaucoup plus en sécurité quand je suis là, au milieu de nulle part, dans une forêt, tout seul, que dans une grande ville. Ouais, ben... Le vent, lui, il souffle, hein, parce que je suis secoué un petit peu toute la nuit. Hein. Des fois c'est agréable, mais des fois il y a du bruit un petit peu de partout. Et ça fait un peu sursauter. Enfin, je suis étonné, je me languis de voir les températures minimales demain, enfin demain, tout à l'heure, sur le thermomètre, parce que je sens que mon visage est froid, mes pieds un petit peu, mais par contre le dos, enfin, c'est super bien, hein. C'est étonnant ce truc-là. Voilà. On se voit plus tard. Inch'Allah. Ouais, on a eu un minimal en dessous de 6 degrés. Alors c'est les conditions, ça va être les températures que l'on aura avec Pascal dans le Yukon au Canada au mois d'août et septembre. Donc c'est parfait. Alors je suis content de l'avoir testé parce que ben un périple, hein, il faut tester avant. Hein. J'ai du mal à m'entendre avec toutes ces capuches. Parce que cette nuit, il y a eu du vent et j'ai cru même à un moment donné qu'il y a eu un arbre mort qui allait tomber pas loin. Ben, j'avais checké avant hein, parce qu'il faut toujours checker. Parce que c'est la mauvaise surprise. Ça. Il faut toujours checker avant de mettre son hamac, regarder s'il y a un arbre mort pas loin. Bref. Je suis content d'avoir testé ce hamac en conditions réelles. Alors la rapidité de montage et de démontage, ça je l'avais déjà testé, ça je le savais déjà, mais par contre j'avais pas dormi encore avec dans des à l'extérieur, outdoor comme on dit, pour être sûr que cette matière là isolante, elle m'a étonné en fait, parce que j'ai pas eu froid de toute la nuit au niveau du dos. Au-dessus un petit peu, mais alors en dessous, mais pas du tout. Alors que d'habitude, quand je prends un hamac traditionnel, je suis complètement frigorifié, quoi. Alors je suis tellement enfermé dans les bois que il est bientôt 8 heures et il fait toujours nuit en fait. Et pourtant, là où on voit que le ciel est bien bleu. N'oubliez pas si c'est pas encore fait, abonnez-vous si la vidéo vous a plu, mettez un pouce, mettez un commentaire. On va se retrouver bientôt pour une nouvelle vidéo. Et jusque là, n'oubliez pas, le bonheur simple.